Tous les midis, c'est la même chose. C'est la file pour faire chauffer son plat au micro-ondes. Et la conversation qui n'en finit jamais de finir est de savoir si cela a un intérêt de mettre deux plats en même temps. Et est-ce que ça change quelque chose si on les superpose ou si on les met côte à côte? On va faire l'expérience et je vous laisserai juger des résultats. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont changé la façon dont moi j'utilise le micro-ondes. Je vais profiter de la présence de ma sœur pour faire cette expérience, on ne sera pas trop de deux. Il va falloir reproduire tout le temps les mêmes conditions expérimentales. Pour ça, on utilise un contenant de plastique rempli de 200 g d'eau précisément. Le contenant est à température ambiante, l'eau est à température du robinet et sa température est mesurée à chaque fois. On fera 4 tests. Un contenant au centre, un sur le côté, un avec deux contenants l'un sur l'autre et un avec deux contenants côte à côte. Dans chaque cas, on va chauffer l'eau de chacun des contenants pendant 30 secondes, 1 minute et 1 minute 30. Une fois le temps de chauffe réalisé, on mesure à nouveau la température de l'eau, puis on soustrait cette mesure à la température de l'eau avant le passage dans le micro-ondes. Ainsi, on a une mesure de l'augmentation de température de l'eau. On représente la température en fonction du temps pour chacun des cas. On a une courbe globalement linéaire et elles ont toutes à peu près la même pente. Mais ça devient intéressant quand on superpose les courbes et donc on s'intéresse aux chiffres. Celui qui chauffe le plus est indéniablement lorsque le contenant est seul et au centre. Vient ensuite, très proche, lorsque nous avons deux contenants superposés et que l'on s'intéresse à celui qui est en bas. Celui qui se trouve en haut, par contre, est bien moins chauffé. Vient ensuite la température de l'eau lorsque le contenant est placé sur le côté, puis celui des contenants lorsqu'on les met côte à côte. Ok, soit. Je retiens surtout que si on superpose deux contenants, celui qui est en dessous chauffe comme si de rien n'était. Donc si vous ne voulez pas perdre votre temps, mais que vous vous sentez quand même mal à l'aise de refuser de mettre le plat de votre collègue en même temps que le vôtre, vous pouvez les superposer en faisant attention de mettre le vôtre en dessous. Mais la personne dont le plat est au-dessus devra retourner faire chauffer son plat. Maintenant, question importante. Si on décide de mettre deux contenants côte à côte, pour que les deux chauffent autant l'un que l'autre, est-ce qu'il faut doubler le temps pour arriver à la même température lorsqu'on n'en met qu'un seul? D'après les graphes, si on place deux contenants côte à côte pendant 90 secondes, on obtient à peu près la même température que s'il n'y en avait qu'un seul au centre pendant 60 secondes. Il faut donc 50% de temps supplémentaire pour deux contenants. Donc si vous voulez réellement être gentil, mettez les plats côte à côte et augmentez le temps de 50%. Si vous avez déjà fait un petit peu d'expérimentation, vous savez que les résultats que je viens de vous donner ne sont pas des paroles d'évangile. Il s'agit d'une expérience réalisée avec un seul type de contenant, et surtout une seule taille de contenant, avec un seul micro-ondes et seulement 3 points de mesure. En plus, on utilise de l'eau, qui est un choix pour faciliter l'expérimentation, bien que le changement de phase nous guette, mais qui ne reflète pas exactement le comportement de votre plat de lasagne. Donc il faut prendre cette expérience juste pour ce qu'elle est. Une expérience qui donne à penser que vous pouvez partager la place dans le micro-ondes, en chauffant 1,5 fois plus que vous l'auriez fait pour votre seul plat, si vous les mettez côte à côte. Et donc maintenant, je compte sur vous pour me dire dans les commentaires, une fois que vous aurez essayé ces différents tests, si vous trouvez que ces règles approximatives que j'ai trouvées moi avec mon micro-ondes fonctionnent pour vous. Et je compte vraiment sur votre retour, j'aimerais vraiment savoir si cela fonctionne mieux d'en avoir deux côte à côte, un par-dessus l'autre, qu'est-ce que vous prenez? Maintenant, on va venir comparer l'évolution du poids mesuré selon si Franck est sur les genoux, sur les pieds, à une hauteur de 30 cm, à 45,5 cm, à 60 cm, puis un périlleux 105 cm et enfin en endroit avec juste un petit peu d'aide pour guider les pieds là-bas.